Voici Jésus, l'infini. En cette fête de la bienheureuse Dina Bélanger, prenons un temps pour confier à son intercession nos intentions de prière et nos actions de grâce. Au ciel, je serai une petite mendiante d'amour. La voilà ma mission. Et je la commence immédiatement. Bienheureuse Dina, toi qui as dit « Je mendierai de l'amour à Dieu pour vous », nous demandons ton intercession. Bienheureuse Dina, reçois en ce jour les intentions que nous portons au fond de notre cœur. Une âme, me dit Jésus, ne peut pas s'approcher de mon cœur sans être heureuse. Parce que je suis le foyer de la joie et du bonheur. Bienheureuse Dina, mendie auprès de Dieu notre besoin de paix. Au début de la Grande Guerre, je m'offris à notre Seigneur entièrement, corps et âme en esprit de réparation et d'amour, afin de le consoler un peu et de sauver des âmes. Sa miséricorde est infinie. Notre Rédempteur a soif de pardonner et d'oublier. Il n'attend souvent qu'un geste ou une pensée d'amour de notre part. Bienheureuse Dina, amoureuse du Seigneur, ravive notre cœur. Prenons un moment de prière en silence avec la bienheureuse Dina Bélanger.
Jésus me dit, « Tu n'as pas perdu ton temps parce que tu n'as pas cessé de m'aimer et de rester uni à moi. Ce n'est pas le résultat extérieur qui compte à mes yeux, c'est l'action intérieure unie à ma volonté. » Bienheureuse Dina, jeune femme dévouée, enseigne-nous la charité. Bienheureuse Dina, tu as fait l'expérience personnelle de Dieu. Fais-nous ressentir sa présence dans notre vie. Jésus, mon cher Jésus, je t'aime à la folie. Bien souvent, je t'ai dit des folies d'amour. Je déraisonne avec toi. Il ne peut en être autrement. C'est toi qui m'entraînes et qui m'enseignes par ton exemple. Le premier, tu m'as aimé à la folie. Bienheureuse Dina, tu as dit « Je donnerai de la joie ». Remplis-nous de la joie de Dieu. Prenons un moment de prière en silence avec la bienheureuse Dina Bélanger. Je mets ma confiance en Dieu. J'ai foi en sa bonté, en son amour.
Voici Jésus. Ô amour incommensurable de la charité suprême. Prenons un moment de prière en silence avec la bienheureuse Dina Bélanger. Voici Jésus. Dans ces abîmes de miséricorde et de pardon, je noie l'iniquité, la haine et l'impiété. Bienheureuse Dina, tu as promis d'être pour nous une petite mendiante d'amour. Je sais que Jésus t'a confié son cœur eucharistique pour que tu distribues ses richesses et que tu fasses ce que tu veux de ses trésors infinis pour les âmes. C'est en toute confiance que j'ai recours à toi. Je te supplie d'intercéder pour moi, pour l'intention de prière que je te présente aujourd'hui. Voici Jésus, l'infini. Par le cœur de l'Immaculée Marie, par le souffle enflammé de ton Esprit Créateur, je te l'offre pour te supplier et aussi te remercier de la réponse que tu voudras bien donner à ma demande. Que tout soit pour ta plus grande gloire, notre joie et notre paix. Amen. Jésus me dit, je connais la faiblesse humaine. Je pardonne toujours. J'oublie l'indélicatesse quand on revient à moi.
mais cela n'empêche que mon cœur a ressenti la blessure. Je les aime tant, mes âmes consacrées. Dès qu'elles se retournent vers moi, je leur souris parce que je les aime d'un amour infini. Et mes regards sont constamment fixés sur elles. Jésus me dit, tout ce qu'on fait pour moi, avec beaucoup d'amour et d'attention, à mes désirs réjouit mon cœur. Notre Seigneur, ô Dieu, me fit voir son cœur adorable dans le pain de vie. Que je guettais des yeux. Les deux, son cœur et puis l'hostie, étaient unis, ne formaient qu'un, telles les notes d'une belle musique. Vers le ciel.
Mon Dieu, je ne sais plus comment vous dire mon amour. Je voudrais toutes les symphonies du silence, toute la poésie de la souffrance inconnue pour chanter que je vous aime. Je voudrais l'éloquence de tous les martyrs et la simplicité du néant pour moduler mon hymne de reconnaissance. Bienheureuse Dina, artiste musicienne, aide-nous à découvrir les dons de notre baptême et à les partager pour la plus grande gloire de Dieu. Il est là, Jésus, tout entier, en chaque hostie consacrée de l'univers. Si mes prêtres étaient des saints, leur seule vue n'importe où, sur la rue ou ailleurs, attirerait les âmes vers Jésus. En les rencontrant, on penserait « C'est un autre Christ qui passe. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela, pour que votre joie soit complète. Dans l'océan de la tendresse de Jésus, je submerge les cœurs froids, endurcis et rebelles. Dans son cœur brûlant, je plonge le monde universel. Le cœur de la Vierge Marie Immaculée est un abîme de merveilles. Vous êtes entré dans son cœur. N'en sortez pas.
Prions. Dieu notre Père, donne-nous la grâce de t'aimer. De t'aimer du même amour que celui de la bienheureuse Dina Bélanger. Fais de notre cœur un lieu ouvert pour accueillir la joie qui vient de toi. Amen. Quisiera por el mundo ir, tu paz que inunda compartir, que arde en cada corazón, el fuego de tu amor, mi Dios. Quisiera que en cada rincón sepan que tus hijos son, tu nombre se ha santificado y tu reino se ha glorificado. Oh.